bonjour. Mais alors, ça tombe super bien puisque aujourd'hui, on a une grande annonce à vous faire. Que dire ? On va vous faire une révélation. Puisqu'aujourd'hui aboutit un long projet de 2 ans et 7 mois, puisque aujourd'hui, à 7h même, où est-ce que vous regardez cette vidéo ? Il est sorti ! Ça y est, il est là, vous l'avez attendu ! Il est là ! Donc, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un guide qu'on a écrit, donc notre livre, notre tout premier. Donc, pour vous le présenter, il s'appelle donc Road Trip dans l'Ouest américain, organiser son voyage soi-même. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un guide touristique, on va dire, mais qui est un petit peu différent des guides touristiques habituels, puisque c'est un guide d'organisation. Après avoir regardé toutes ces vidéos de voyage, vous allez pouvoir vous aussi partir en voyage grâce à ce guide. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Que vous soyez novice ou que vous soyez expert dans les voyages, vous retrouverez plein de petits conseils et de guides pour vous aider à concevoir votre voyage. Vous-même. Vous-même. Comme le titre l'indique. Donc vous retrouverez des conseils pour acheter vos billets d'avion. Vous retrouverez des conseils pour échanger vos billets européens en dollars. Vous retrouverez également des conseils sur place. Comment vous organiser à la frontière. Le passage à l'immigration. Le passage à l'immigration, par exemple. Récupérer le véhicule sur place, demander l'ESTA, et plein d'autres choses, vous verrez. Vous aurez tous les conseils dont vous avez besoin, même si vous avez peur aujourd'hui de partir, grâce à ça, vous aurez vraiment toutes les clés pour pouvoir partir. Donc par contre, ce guide n'est pas un guide traditionnel, on va dire, puisque dedans, vous ne retrouverez pas vraiment des listes de bonnes adresses, ni des heures d'ouverture de tel parc ou de tel restaurant, etc. On ne se concentre pas vraiment sur les villes et les parcs nationaux cette fois-ci. Ce premier tome, puisqu'il y en aura un deuxième, je vous en parle juste après, se concentre vraiment, comme tu l'as dit, sur les conseils d'organisation. Donc c'est un petit peu ce qu'on a besoin, je pense, pour pouvoir organiser son voyage. En fait, ce projet est né parce qu'on recevait énormément de questions sur mais l'ESTA, où est-ce qu'on le demande ? J'aimerais bien avoir des dollars avant de partir en billet, mais je ne sais pas comment faire. Et comment vous avez fait pour récupérer la voiture ? Etc. Oui, exactement, pardon. Tout ça, du coup, on s'est dit que le meilleur moyen de pouvoir vous donner un petit peu tous nos conseils, c'était d'en faire un livre. Donc aujourd'hui, il est né, comme je vous l'ai dit, après 2 ans et 7 mois d'écriture, ça a été très long. Donc pour nous, c'est un gros projet. On est super contents de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura donc un deuxième tome qui, lui, se concentrera cette fois-ci sur les parcs nationaux ainsi que sur les 3 grandes villes de l'Ouest américain. Il sortira dans quelques temps. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur celui-là. Donc ce guide, il est disponible à partir de maintenant sur Amazon. Donc on vous met le lien en barre d'infos. Mais également sur le site eti.com, on vous met aussi le lien en barre d'infos. Sur ce site, vous pourrez aussi demander une dédicace. Donc voilà, si jamais vous voulez offrir un cadeau ou même vous le faire dédicacer pour un petit mot personnel, ce sera avec plaisir. Et tout ça, c'est à retrouver encore une fois juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc encore une fois, on est super content de pouvoir vous le partager aujourd'hui. On espère vraiment qu'il vous sera utile pour pouvoir enfin partir vous-même, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de voir les canyons, les longues routes américaines, les cactus, enfin tout ce qui est de plus remarquable aux États-Unis. Donc on espère vraiment que ça va vous plaire. On vous remercie aussi énormément pour les abonnés de longue date, puisque ça a été un projet qui a été possible grâce à vous. Vous avez été la motivation et vous nous avez donné l'élan nécessaire pendant tous ces mois, même des fois quand on avait des baisses de motivation. Ouais. Vous avez toujours été là. Donc merci du fond du cœur, et aussi une belle mention spéciale quand même à nos familles respectives, parce qu'elles ont quand même été là pour nous motiver pendant tout ce long, qui nous ont dit « Allez, tu vas y arriver, les abonnés en ont besoin, il faut que tu le fasses. » Et mention toute particulière aussi à ma grand-mère qui nous a aidé à faire la correction de ce livre, puisqu'en fait, tout a été fait de A à Z par nous-mêmes, que ce soit la couverture, les illustrations, le texte, la correction du coup par ma mamie. Mais sinon, tout a été fait nous-mêmes. Donc n'hésitez pas, dès que vous l'avez reçu et que vous avez eu le temps de le feuilleter, même après que vous soyez parti en voyage, etc., n'hésitez pas à nous faire des retours sur Amazon, à nous donner votre avis sur ce que vous en pensez, sur ce que vous avez adoré dedans. Ce que vous avez moins aimé aussi, aide aussi à le modifier. Oui, exactement, ouais, c'est clair. Et puis il y a la deuxième partie qui va arriver aussi, donc on a besoin aussi de votre retour. C'est à vous de jouer maintenant pour que la suite puisse être encore mieux. On vous a fait une spéciale dédicace à la fin. Donc voilà, vous pouvez vous prendre en photo une fois que vous serez là-bas, sur place, quand vous serez arrivé sur votre lieu de road trip. Voilà, I did it. Donc vous l'avez fait. Et vous allez le faire, c'est certain. Maintenant, c'est votre tour, donc c'est parti, vous n'avez plus qu'à bûcher, à préparer tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à tous. Le mot qu'on a à vous dire, c'est bon voyage. Yeehaw.